Ça roule à nouveau pour le Bibliobus. Ce véhicule itinérant permet d'accéder à une sélection de documents sans se rendre en médiathèque. C'est important de compléter et de relayer l'offre des médiathèques en allant au plus près des habitants, aux endroits où les médiathèques sont un peu éloignées des médiathèques, ce qu'on appelle les zones blanches, et puis vers les publics qui ne peuvent pas se déplacer. Les personnes peuvent également récupérer ou rendre les documents commandés sur le portail e-médiathèque. Pour emprunter un livre, il faut être inscrit à la médiathèque ou au Bibliobus. Pour ce faire, il faut remplir un contrat d'adhésion. Ce contrat d'adhésion permet d'emprunter tout support, livre, pour 4 à 6 semaines. Et vous pouvez venir au bus, comme vous pouvez venir dans n'importe quelle médiathèque du réseau. Vous pouvez également réserver sur le portail des médiathèques en indiquant la tournée du Bibliobus, et il n'y a pas de souci, on est là. Ce véhicule neuf, habillé des dessins de l'auteur et illustrateur Philippe Ugégé, continuera ses arrêts pour le plus grand plaisir des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. On peut lire des livres et aussi des livres pour bébés. C'est bien d'apporter la lecture où on peut. Avant, on allait dans les écoles, ça venait devant les écoles et les enfants allaient faire un petit tour et emprunter. Donc plus on peut apporter la littérature, le plaisir de lire aux enfants, mieux c'est. Le Bibliobus a d'autres arrêts programmés. Il sera par exemple le samedi à Manille-et-Hameau dès 10h30 au centre social Le Buisson. Des informations complémentaires sont à retrouver sur le site de la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines.